Si on a les mains avec de la graisse colorée, par exemple du yaourt aux fruits rouges, du beurre, de l'huile d'olive, de la graisse de viande, etc., elle est permis de s'essuyer directement les mains avec une serviette jetable ou une serviette éponge sans craindre l'interdiction de colorer pendant Shabbat, même si la serviette en question est blanche ou de couleur. Ok, alors c'est dans le Shulchan Aruch, chapitre 320, alinéa 20, on n'a pas le droit, avec les mains colorées, par exemple avec du jus de fraise ou du jus de fruits, de s'essuyer les mains dans une serviette de papier ou de tissu, car par cela, on colore. C'est valable à leur époque où on colorait les tissus, les papiers, ainsi avec du jus de fruits. Les décisionnaires ont écrit qu'aujourd'hui, cette loi est tout à fait plus actuelle, car plus personne ne colore les habits au moyen de jus de fruits. Donc, c'est une coloration, c'est simplement, on salit, et il est permis de salir, d'accord? Donc, quand quelqu'un a les mains sales et s'essuie dans une serviette, qu'elle soit en tissu ou en papier, il salit la serviette. Or, il est permis de salir une serviette pendant Shabbat, il est interdit de la colorer. Personne ne va dire aujourd'hui que lorsque j'avais les mains rouges avec des restes de pastèque ou de fraises, je suis en train maintenant de colorer la serviette, je suis en train de la salir, c'est tout. Alors, étant donné qu'il est permis de salir, mais qu'il soit interdit de colorer, on considère que cette coloration n'en est pas une, mais elle est tout simplement un salissement de la serviette, chose qui est totalement permise. Donc, on pourra de même aussi mettre une gaze blanche, une compresse sur une plaie qui saigne, sur du sang. On pourra faire toute chose qui va colorer ce type de support, tel que serviette, tissu, papier, etc., du moment que ce n'est pas une vraie coloration, que personne ne colore aujourd'hui cela ainsi, tout simplement, ça sera considéré comme salir ce support et cela est permis. Shabbat Shalom.